Dans l'espace de 6 ans, ce sont près d'un million d'exemplaires de la première génération du GLA qui ont trouvé preneur. Aujourd'hui, c'est la seconde génération qui a été révélée sur le net et de fort belle manière. Plus haut, plus accueillant et à la pointe de la technologie. C'est ainsi qu'on peut qualifier le nouveau GLA. D'un point de vue design, les lignes du SUV compact évoluent en douceur pour se rapprocher davantage de ses frères aînés, les GLC et GLE. Dans sa transformation, le nouveau GLA prend de la hauteur, 10 cm de plus qu'auparavant. Son empattement progresse aussi de 3 cm, ce qui profite surtout à l'habitabilité arrière qui gagne près de 12 cm. À souligner que les banquettes arrière sont maintenant coulissantes jusqu'à 14 cm au profit du volume du coffre qui accueille 435 litres. À bord, on retrouve sans surprise l'agencement Mercedes, notamment le système multimédia MBUX, le double écran tactile avec compteur numérique, les aérateurs en hélice et toujours une qualité de finition impeccable. Côté aide à la conduite, le nouveau venu est à la page. Le régulateur de vitesse actif, très actif même puisqu'il s'appuie désormais sur le GPS, le système de freinage d'urgence autonome et l'assistant de changement de voie. Tous les trois permettent une conduite semi-autonome du GLA. Sous le capot, Mercedes annonce des moteurs 4 cylindres essence et diesel pour des puissances allant de 150 à 190 chevaux. Alors que deux versions AMG sont prévues dès le lancement, les déclinaisons hybrides rechargeables et 100% électriques sont annoncées pour plus tard. L'arrivée en Europe du GLA, deuxième du nom, est attendue dès le printemps 2020, juste après sa première apparition publique lors du prochain Salon de Genève. À très vite sur wanderloo.com.